Tante responsable de l'UFDG, je vous dis bonjour. La situation elle est très grave. Pour ma parole, on m'a mendi bessindé. On a la mairie inégalement, on a négligé. On a fait le négligé, on a fait le brindé là, on a fait le brindé là, on a. Ça fait 5 ans qu'on a fait le brindé à cette vie. Ce n'est pas normal. En tout cas, quand tu as fait mon état, je ne peux pas comprendre. Et puis, qu'Alpha Condé a fait le pouvoir depuis 2010, nous sommes toujours victimes. Justice Mouna, au moment où nos justices ont collaboré, ce n'est pas normal. Au moment où on a dit, Mirindera était fini, procureur général là, il passe dans les radios pour inculper les gens. Après, au moment où on va réaction demain, alors on a fait la main guéde, quel fait au moment présidentiel ou dans les alors on a approché Brie, on a disposition de ton bon affaire. Semaine passée, Mirindera m'a amené, au moment colère m'a amené, quand j'étais sous l'ex-FF. Parce que moi, il y a le. Nous avons perdu beaucoup de militants. Nous avons perdu beaucoup de nos militants. Là, les fait Mali, on le fait là-bas parce qu'ils disent que non, on m'a fait FNAR. Donc, il faut les massacrer, il faut les tuer, il faut les faire tout. Et on a Colomb avant d'inquiéter. Donc, il faut qu'on ait ma responsabilité de Togo. Je retiens de quelque chose ici. On a Ousmane Gawan là-bas en Afrika. Il ne faut pas qu'on attende l'ordre de quelqu'un pour dire qu'il faut faire ça. Nous sommes des Guinéens. Si on n'est pas content, on doit se manifester pour dire qu'on n'est pas content. Là, on va la mettre, on va la réseaux sociaux tout, lorsque Touma réclame les 9 milliards à Alpha Condé. Quand on combien de fois qu'il est capable de pouvoir gagner. On le réclame 9 milliards, Touma le réclame haut et fort. 9 milliards, pourquoi il le réclame? C'est parce qu'il était à la base de ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Mais il ne veut pas parler de ça. Le débat aujourd'hui, Aradira Mouyefe, alors Alpha Condé a Mouyefe, alors le gouvernement a mal capacité, détruit le lieu public. On a un mentor, il est qui m'a le mec qui est 250 000, sous 350 000, 400 000, des trucs comme ça là. Mais le débat est amené. Mais il veut nous tourner de ça. Il s'adresse à tout moment les militants de l'UFDG. Alors, la Bible, moi je ne suis pas content de ça. Il faut qu'on se lève comme un seul homme pour dire à M. Alpha Condé et nos dictateurs d'arrêter. Vous avez appris, moi aussi j'ai appris, hein, par quelqu'un qui dit qu'il m'a porté, il a même porté plainte contre Camara Ibrahim Souri. Mais moi je suis serein. Peut-être qu'il veut me détourner de mon combat politique. Mais à mon nom, on a pas dit. Parce qu'il n'a pas fait. Je ne pas fait seul. Je ne le fais pas parce que seul ou nana, mais non. Je n'ai pas fait le gnéquine. Parce qu'on voit que l'on t'a brinabé, on brinabé, on brinabé, on brinabé, on brinabé. Je vais gagner 1 milliard 400 millions de dollars américains et pas dans la solde FFQ. T'es là où il est. On a vu les forêts. Il n'y a pas une équipe. On m'a compris, Mouyama, Alpha Condé, Aradi, Barfabé, et on m'a compris, Mouyama, NVSN. Alors, président, en tout cas, moi, je ne suis pas vraiment du tout content parce que le parti doit réagir. Nous avons consenti beaucoup de sacrifices. Il y a eu beaucoup de jeunes froidement abattus. Mais pas de justice, pas d'inquiète. On reste comme ça encore à tout moment vraiment dire non, on est ici, on est victime, on est victime. Il faut qu'on se lève comme un seul homme de dire à la justice, de dire à la justice d'arrêter tous les militants vraiment. Vous êtes courageux, on est courageux, oui. On est prêt à se battre, oui. On est prêt à tout, oui. On est prêt à se sacrifier, oui. Mais il faut que les responsables aussi nous disent que bon, voilà, il faut arrêter parce que, au moment où on va sur les tangues, n'est pas inculpé, mais plutôt c'est pas lui qui est inculpé. C'est lui qui a inculpé ici, il a été condamné par contumace, hein, tentative d'assassinat d'un chef de l'État. Mais aujourd'hui, aucun journaliste n'en parle de ça. Personne n'en parle de ça. Quelqu'un qui a voulu tuer le président ici. Quelqu'un qui est venu ici. Il a orchestré de venir tirer sur des gens ici. Parce que tout simplement, il n'est pas content. Ce monsieur-là, il devrait beaucoup de respect. Mais aujourd'hui, il ne doit pas. Au Moulamoura Abidja, c'est un criminel. Moi, je l'ai dit haut et fort. Les ennemis de l'UFDG sont mes ennemis. Quiconque peut combattre l'UFDG, moi je vais te combattre. Quiconque se permet de combattre l'UFDG, tu vas me trouver tout ton chemin parce que l'UFDG m'appartient. L'UFDG, c'est un instrument qui est tellement aux ennemis pour la Guinée. Je vous remercie.